Les fêtes sont passées. J'ai du gras au bide. Paris, ça pue. Il fait moche. C'est la rentrée. Chut, Elliot. Ah oui, j'oubliais. C'est les partiels. Youpi, ma vie est d'une joie sans fin. Bon, Elliot, je te ferai dire que c'est moi qui bosse. Et là, franchement, tu mets pas d'une grande aide. Alors, ferme ta bouche, s'il te plaît. Pardon. Tu sais... Je crois que c'est le moment idéal pour faire le truc à la mode, là. Comment ça s'appelle? Un burn-out, c'est ça, ouais. Pour faire une dépression. Je trouve que c'est la bonne époque, alors si tu veux choisir ton moment, c'est maintenant. Elliot, arrête, s'il te plaît. Dis donc, c'est toujours très très mal écrit, hein. Arrête. Le tact, Elliot, le tact. Oui, le tact, pardon. On se modère. Oui. Et je comprends pas, je croyais que... Pendant le bac, tu disais que c'était la dernière ligne droite qu'après on sauterait plus rien du tout. J'ai envie de dire, mais what the fuck? Double ZTS, t'es en train de sauter quoi, là? Mais Elliot, le bac, c'était la dernière ligne droite de ma vie d'avant. Et là, c'est la première ligne droite, les partiels de ma vie d'adulte. La vie d'adulte, qu'est-ce qu'il faut t'entendre? Je te ferais dire que quand on était petit, tu disais toujours que on serait jamais assez con pour devenir adulte. Oui, bah, Elliot, les choses changent. Ni. Qui a eu cette idée folle un jour dans un télécole? Elliot! C'est... Sacré Charles Nagne! Bon, Elliot, j'en ai ras-le-bol, j'essaie de prendre ma vie en main, j'essaie d'être consciencieuse, de réviser mes partiels dont j'en ai rien à foutre! Alors maintenant, je vais pas me laisser monopoliser par un dragon qui fait n'importe quoi! Pardon! Non, je suis désolée, Elliot, mais là, il faut que je sois toute seule. Nicole! Travail. Études, argent, famille, avenir. Espèce d'adulte, va!